Quand je regarde un rapace, c'est pour moi la plus belle chose au monde. Voilà, je trouve pas une forme aussi jolie, je trouve pas quelque chose d'aussi parfait. C'est des animaux qui n'aiment pas la proximité avec l'homme, qui n'aiment pas être caressés. Et pourtant, moi, je prends un pied incroyable à passer mon temps avec ces oiseaux, à essayer de leur apprendre à voler, de faire des choses avec eux. Je ne me sers pas des techniques de la fauconnerie pour apprendre à chasser à mes oiseaux pour moi. J'essaye de leur apprendre à chasser pour qu'ils puissent retourner un jour dans la nature. Je leur demande de faire des exercices de musculation pendant des heures, c'est fatigant, c'est machin. Et c'est que le jour où il comprend que cet exercice lui permet de retrouver la liberté, il dit « putain, c'est vachement bien ce qu'il m'a fait faire ». On m'a dit un jour que j'étais un coach sportif pour aigles. Ça m'a fait rire la première fois, mais avec la réflexion, c'est vraiment ça. J'ai du mal à rester plus de deux jours sans voir mes oiseaux. J'en suis vraiment dingue. Je crois que j'avais 15 ou 16 ans quand dans ma tête, j'ai décidé que je montrais un parc. Ici, actuellement, sont hébergées 71 espèces sur le site. On est un des plus gros centres de reproduction en Europe, un rapace. Donc ça, c'est un jeune bébé condor qui est né chez nous, un mâle qui a 3 ans maintenant. Et voilà, il est né dans ma cuisine, c'est moi qui l'ai élevé. L'enjeu, il est crucial. C'est-à-dire que là, on est vraiment la dernière chance pour certaines espèces. Mon combat aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte d'arriver à reproduire ces espèces et d'arriver à les reproduire dans des conditions qui permettront un jour de pouvoir les remettre dans la nature. Ah, les terreurs. On a quand même du mal à penser qu'ils ont que 4 mois. Le problème d'un animal qui naît, d'un oiseau qui naît en captivité, c'est qu'il ne sait pas voler. Oui, il sait se déplacer, mais il y a une immense différence entre se déplacer, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B en battant des ailes, et voler dans la nature. Un animal qui est né en captivité, c'est un peu comme si vous avez passé 6 mois dans un lit d'hôpital, je vous sors puis je vous dis, vous faites un marathon. Vous êtes incapable de le faire. Donc il y a ce premier apprentissage qui est un apprentissage physique. Voilà, doucement. Viens tranquillement. Viens tranquillement. Voilà. Merci monsieur de cette jolie sortie. Je me suis dit, si je veux remettre des oiseaux adultes dans la nature, il faut que je leur apprenne à voler et il faut que je leur apprenne à pêcher. Allez, il faut lâcher, ça je sais, c'est pas toujours facile. Le premier outil que j'ai développé, c'est de les ramener dans la nature. Hop ! Je vais promener mon aigle. Je lui fais découvrir comment on se pose sur un arbre, comment on suit une rivière, comment on va traverser une vallée. Comment... Et ça, c'est de la balade. On fait des heures et des heures de balade. Allez, les cuits. Oui. Eh bien. C'est bien, Pépère. Je suis très fier de toi. Les animaux qui naissent chez nous ne sont pas tous capables de retourner en nature. Il y en a qui sont des bagarreurs, il y en a qui luttent. Et puis, il y en a d'autres qui sont, entre guillemets, un peu feignants, un peu je m'en foutiste et qui n'auraient eu aucune chance en nature. Donc, mon apprentissage, c'est aussi de déterminer, de déceler qui est capable, par son comportement, par sa volonté, de retourner ou pas dans la nature. Tu attends que je sois un petit peu plus loin, t'amènes Fletch, et puis on voit un peu comment il est, sinon tu le récupères, sinon tu le laisses faire. Okay. Moi je travaille avec des aigles pêcheurs, mais les aigles pêcheurs ils ont peur de l'eau. Si je veux les emmener sur l'eau, la seule chose, ou la seule personne en qui ils ont confiance, c'est moi. Donc il faut que j'aille moi sur l'eau, pour les attirer sur l'eau et qu'ils comprennent. Allez. Oui. J'avais cette intuition de me dire l'instinct il est à fleur de peau, il suffit qu'on le réveille pour qu'il fonctionne. Et c'est vraiment ça, l'instinct il est juste dessous, dès qu'on le titille il revient. Un oiseau qui au début en parapente a peine à nous suivre, j'allais dire au bout d'un mois, un mois et demi de parapente, nous on n'arrive plus à le suivre. En fait, la première fois, j'ai mis une caméra sur le dos de mon aigle pour me dire, voilà, il va partir, mais au moins quand il reviendra, je saurai ce qu'il a fait. Et quand j'ai vu la première fois l'image, c'était tellement beau que je l'ai mis sur Internet, je crois que cette image-là a fait 12 millions de vues. Et j'ai tout de suite compris l'impact émotionnel que pouvait avoir cet aigle caméraman. Animaux, ils étaient là avant nous, qu'ils ont le droit d'être là en même temps que nous et qu'avec un tout petit peu d'effort, je dis bien un tout petit peu d'effort, ils retrouveront une place à côté de nous. Mais ça demande juste à ouvrir son esprit. Ces initiatives, elles sont très encadrées, en tous les cas dans nos pays européens. Les programmes de réintroduction demandent l'assentiment de la population, des autorités et ça devient de plus en plus compliqué.
aujourd'hui un seul oiseau qui est né chez nous et reparti dans la nature et a survécu dans la nature. Allez Roy. Je vois Roy qui monte et je sais au troisième virage que je ne le reverrai pas. Sur le coup, j'ai à la fois une déception, parce que je me dis il n'est encore pas prêt pour retourner, ça fait qu'un an et demi, j'ai pas tout fait avec. Et en même temps, au fond de moi, je me dis, mais de toute façon, tu aurais pu faire ce que tu voulais, cet oiseau-là. Il n'avait qu'une envie dans sa tête, c'était de retourner dans la nature. Merci, hop, je m'en vais. Ça, c'était beau, quoi. Enfin, même si sur le coup, c'était dur. Nous sommes en place, c'est quand tu le souhaites. Oui, tu peux y aller, c'est tout bon pour nous, vas-y. C'est parti, droit sur toi, en piqué. Je rêve de ce monde où je me lèverai le matin et quand j'ouvrirai ma fenêtre, j'aurai un aigle, il sera posé non pas dans mon parc, mais sauvage et sur un arbre devant le lac. Oui, peut-être que je ne le verrai pas, mais je ferai tout en tous les cas pour que ça arrive un jour.